Aujourd'hui, c'est le week-end. Voilà, là j'avais commencé à faire mon petit déj, j'avais commencé à chauffer mon lait. Sauf que je me suis arrêtée de faire quelque chose entre temps. Donc à mon avis, il est devenu froid. Voilà, bref. Sinon hier soir, du coup, quand je suis rentrée, mon copain n'avait pas mangé. J'étais trop adorable. Je vais faire un mug cake au chocolat praliné. Parce que quand on était allé, quand j'étais allée à Paris, que j'avais fait l'atelier marmiton, tout ça. Et ben on était reparti avec des petits cadeaux, on va dire, puis on avait plein de trucs de nourriture, dont du chocolat, voilà, parce qu'il y avait un atelier Nestlé, du coup Nestlé nous a offert des petits chocolats, voilà, c'est trop cool. Je regrette de pas habiter à Paris pour ça, parce que je peux en faire assez souvent, et c'est vraiment, bah c'est cool quoi, d'apprendre des trucs et tout, tu rencontres des autres personnes, tout ça, tout ça. Mais bon, voilà, c'est pas maintenant qu'il y a ça qui va se faire dans ma petite ville. Bon, sinon j'ai pas trop mal à la tête ce matin, mais je sens qu'à chaque fois mon nez est bouché quoi, c'est super chiant. Tous les matins que je me lève, que ça fait ça. J'ai pas mis le truc d'eau hier soir parce que je vous avoue que je me suis endormie sur le canapé et que je suis allée me coucher direct dans leur lit. Et que j'étais un peu fatiguée quoi. Enfin, j'ai pas eu la foi alors que ça aurait pris 2 secondes hein. Mais on n'est pas obligé de le mettre avant de s'endormir, je peux le mettre genre maintenant, comme ça, ça fait de l'humidité. Je suis en train d'aller partout là. Je vais ouvrir un petit peu la fenêtre. Là, je reprends de l'humidité de dehors parce que dehors, c'est un petit peu humide. C'est un peu frais quand même. Il n'y a pas trop de soleil aujourd'hui en tout cas. Je pensais qu'il y avait personne à côté parce qu'il n'y a pas encore, mais là apparemment il y a quelqu'un qui est passé. Et elle a regardé en haut, je pense qu'elle entendait parler en fait. Et ouf, je crois qu'elle m'a pas vue. Mais du coup peut-être qu'ils viennent d'arriver, qu'ils n'ont pas encore mis leur nom alors. Enfin, en tout cas au début qu'on était là, ils n'étaient pas là. Mais là il y a peut-être quelqu'un. Mais je crois qu'elle regardait peut-être pour le paquet de céréales, je sais pas. Parce qu'elle a quand même un paquet de céréales dans son jardin. En tout cas, elle l'a ramassé. Pourtant, ce paquet de céréales, il est tout devant moi. Ça m'énerve parce que là, c'est encore trempé dans l'herbe. Et que maman m'a dit, il marche pas dans l'herbe parce que sinon, en fait, bah, l'herbe est à peine en train de pousser. Du coup, quand on marche, ça la tasse. Et du coup, j'ai pas envie qu'il y ait des trous de pas avec pas d'herbe, en fait. Du coup, ça m'énerve pour aller là-bas. Et puis, en plus, je vais cradoter mes chaussures. Ma maman, quand elle était allée ratisser dans le jardin, elle a mis des sacs plastiques sur ses chaussures pour pas avoir les chaussures crades, et elle avait mis un coup de râteau après. Mais moi du coup l'herbe a déjà quand même pas mal poussé, donc je vais pas mettre un coup de râteau maintenant, et de toute façon j'ai pas de râteau. Donc du coup j'aimerais bien que ce soit sec dehors, que je puisse ramasser ces trucs là que j'ai au fond du jardin. Je sais pas trop ce que c'est, il y a 2 trucs plastiques, puis un gobelet, comme les gobelets de qu'il y a pour les machines à café là. Donc voilà. Hop, j'ouvre la petite fenêtre, je ferme la petite porte, et là, bam, pendant que je suis là, je vois pas, il y a quelqu'un qui me vole ma télé. Non, parce que je peux l'observer depuis là. Voilà, voilà, je ferme mon petit déj, et je voulais regarder Plus belle la vie, puis là, je vois prévu lundi. En fait, j'avais complètement zappé qu'on était samedi, en fait. Et j'avais mis hier des vidéos à regarder plus tard, et elles ont disparu. D'ailleurs, où est mon téléphone? Il est là. Bon, il est déjà quand même 8h40 et je voudrais bien aller à la salle quand même. Carrefour, ils sont pas très très pratiques avec leurs biscottes parce que les autres que je prenais, elles étaient plus petites et puis en fait, c'était accroché là. Du coup, là, je vais devoir tout mettre dans la boîte. Donc j'espère qu'il n'y en a pas qui vont se ramollir parce que c'est horrible. Bon, j'ai fini de déjeuner, donc là je vais monter le vlog d'hier, comme ça je digère un petit peu. Parce que là j'ai le ventre plein, je viens de manger, donc je vais pas aller tout de suite à la salle de sport. Donc voilà, je regarde des petites vidéos pendant que je fais mon montage. Ça y est, j'ai 2 vlogs préparés. Enfin, il y a celui qui va se mettre là dans 10 minutes. Et puis le prochain. Donc celui que j'ai filmé hier. J'aime bien quand je suis en avance comme ça, c'est cool. Et du coup, j'ai coupé un vlog en 2 qui faisait un peu plus de 18 minutes. Et comme ça, du coup, bah au moins, ça me fait un petit jour d'avance. Parce que du jour au lendemain, franchement, c'est compliqué. Là, je vais ranger le petit déj qui traîne.
Moi je m'étire. Et ensuite je vais me mettre en habit de sport. Voilà, il est 10h, mais bon, je crois que ma salle elle est ouverte jusqu'à midi le samedi. C'est un peu nul, c'est pour ça que, bah, de toute façon je préfère y aller le matin, mais du coup elle est pas ouverte l'après-midi, et elle est pas ouverte le dimanche malheureusement, parce que sinon moi... Ah non, ouvert aujourd'hui 9h-18h. Oui c'est ça, le samedi ça ferme plus tôt, c'est pas que le matin. Mais de toute façon moi je préfère y aller le matin, donc voilà. Et je voulais regarder aussi pour la poste, parce que du coup j'ai des colis à aller chercher, puis il faut que je passe à Intermarché aussi. Donc de toute façon je vais y aller en voiture en même temps que... Enfin après aller avoir... après être allée à la salle. Mais du coup ouais, j'ai pas de papier dans la boîte aux lettres pour le colis MyProtein que je vais aller chercher à Intermarché. Mais j'ai le mail, donc je pense que ça ira. Et ma poste... Oh là là, non, je regardais les mauvais horaires de poste. J'ai juste mis poste Besançon. C'est sûr que si je mets pas ma poste, ça va pas le faire. Alors... Ouvert jusqu'à midi. Est-ce que j'y passe pas avant plus tôt? Je pense que je vais plutôt y passer avant. En plus, la poste, franchement, je peux y aller à pied, mais... J'ai peur que, vu que c'est des colis qui ne sont pas rentrés dans ma boîte aux lettres, trois colis qui ne sont pas rentrés dans ma boîte aux lettres, je pense que vaut peut-être mieux prendre la voiture, parce que je vais avoir bien l'air bête si je suis là-bas et que je peux pas les ramener, quoi, si ça tient pas dans mes bras. Et l'Intermarché, je pense que c'est ouvert toute la journée. Hein. Je pense que... Ouais, 8h30, 19h, donc ça, c'est bon, je pourrais y aller après. Parce que le colis MyProtein, il y a moyen qu'il soit gros. Enfin, quoi qu'on n'a pas commandé de gros trucs, mais ils mettent quand même souvent des gros cartons, mais s'il n'y a pas grand chose dedans. Je trouve ça un petit peu bête, mais bon. D'ailleurs, j'ai plein de mails. Va falloir que je m'occupe de tout ça. Il y a des mails intéressants que j'ai vus, j'ai pas eu le temps de répondre. Franchement, en ce moment, c'est un peu la course. En plus, semaine prochaine, c'est ma dernière semaine de stage. Et il faut que je prépare projet de soins, mes diagnostics infirmiers, tout ça. Donc du coup, donc je bosse pas mal à la maison parce que j'ai une prof qui vient mercredi quand je suis en stage. En plus, je suis un peu deg parce que je finis ma journée à 13h et la prof arrive à 14h. C'est génial, donc je vais devoir rester une heure là-bas, plus encore après. Alors que souvent, ils mettent ça plutôt sur les horaires où on est en stage, quoi, et là, bah non. Mais bon, c'est pas très très grave, mais je trouve ça un peu bête parce que c'est la journée où je finis tôt. Et puis au final, ben, je vais pas finir tôt quoi. Je vais finir même plus tard que si je finissais à 14h30. Ouais, voilà, première fois que je voyais des oiseaux dehors chez nous. Parce qu'en fait j'avais mis les bouts de biscotte dehors, mais bah, j'ai appris après, mais bon trop tard, je les avais déjà mis là, que en fait on n'a pas, apparemment pas le droit de mettre des trucs dehors comme ça pour pas que les oiseaux viennent, parce que ça y a je sais pas quoi sur le toit ou je sais pas où, et après les oiseaux ils viennent, ils font je sais pas quoi, enfin bref. Du coup apparemment on n'a pas le droit. Voilà. Mais bon du coup je suis pas allée ramasser mes morceaux de biscotte qui étaient dans la terre. Hein. Tant pis. Voilà. Bon maintenant, allons choisir quel legging je veux mettre. J'ai envie de mettre un truc assez coloré. Ils vont me dire à la, ils vont se dire à la poste, mais comment qu'elle s'habille celle-là. Je crois que je vais mettre lui, je l'aime bien. Il est très bleu. De l'eau, voilà. Je pense que je vais mettre celui-là. Après il y en a des autres que j'aime bien aussi qui sont assez colorés et que je mets moins. Bon après il y en a certains qui ont des matières mieux que d'autres, tout ça, il y en a qui sont un peu plus transparents et que je sais que quand je fais ma séance jambes, donc que je fais des squats etc, on évite les trucs qui peuvent faire un peu transparent. Quand je fais les bras, je suis pas en train de m'étirer les fesses on va dire, bah, quand tu fais des squats, bah, ça se... ton legging s'étire et donc ça devient transparent. Quand tu fais les bras etc, t'as pas ce souci là. Voilà, faut toujours prévoir quoi. Donc là qu'est-ce que je vais mettre comme brassière. Là il y a un peu de gris et noir, donc je vais sûrement prendre une brassière
grise et noire, tout simplement. Hop, ça, ça va le faire. Hein. Et voilà. Faut toujours penser, même s'il n'est pas forcément très transparent le legging, à quel dessous mettre sous son legging, voilà. Alors moi, j'en ai que des que j'aime bien. C'est de chez Undies, en fait, c'est... en fait, ils font des... Genre, c'est une matière... J'ai été coupée, j'avais plus de batterie, mais en fait, je sais pas si vous voyez, il n'y a pas vraiment de couture et du coup, ça colle à la peau et c'est couleur peau. Du coup, c'est le genre de sous-vêtement qui est le plus adapté en fait pour ça. Voilà, oui, je parle de sous-vêtements, mais on m'a posé plusieurs fois la question, même sur Ask et tout, quel genre de sous-vêtements tu mets, tout ça. Et moi, le truc que je comprends pas aussi, c'est les filles qui mettent des soutiens-gorge sous leur brassière. Parce que oui, j'ai déjà eu ça. Du coup, j'ai pas trop compris. Hop, je suis prête, j'ai enfilé mon gros sweat. Par contre, je pense que dehors, il fait quand même frais. Du coup, je sais pas si je remets ma doudoune dessus, ça va faire bizarre. J'avais un petit foulard noir. Où est-il? Il a disparu. Je l'avais emmené un coup dans mon sac de sport. Donc, serait-il dans mon sac de sport? Eh bien non. Du coup, j'ai pas oublié. Parce que là, je fais gaieté dehors, mais... Après je remonte, souvent quand je sors de la salle je suis en mode comme ça. Ce qui fait frais. Il fait un peu frais quand même hein. Monsieur pas frais. Referme-toi toi. Il est déjà 10h20 quoi. Je crois que je vais mettre ma doudoune, tant pis si c'est moche. Mais non suis-je bête. L'autre coup j'avais une veste, mais je sais pas où je l'ai rangée encore. Alors où je l'ai. Je sais pas où je l'ai pas rangée. De toute façon, cet après-midi, je vais faire le ménage, donc je vais ranger tout ça. Mais voilà, ma veste qui fait un peu sport, ça fera peut-être mieux qu'une doudoune. Quand même. Voilà, bon, je me sens un peu boudinée, mais c'est toujours mieux. Pour la vaisselle que vous voyez traîner là-bas, c'est mon copain qui va la faire à midi. On a passé un deal. Il fera la vaisselle et à manger, et moi, je ferai le ménage. Voilà, on se partage les tâches. Mes chaussures sont un peu sales, j'aimerais bien peut-être me racheter une paire que je mets genre que à la salle ou je sais pas. Parce qu'avant j'avais ma paire violette, mais déjà violet ça va pas avec tout. Et en plus, je l'ai lavée pour l'utiliser qu'en stage et mes chaussures de stage, j'utilise pas pour autre chose. Donc voilà. Mais voilà, j'hésite peut-être. En stage, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont genre des genres de crocs. Et en fait c'est bien parce que personnellement des fois dans mes baskets je meurs de chaud. Surtout l'été. Et même là en ce moment il fait, je trouve qu'il est quand même chaud dans les services donc j'ai chaud. Du coup je sais pas. Je sais pas du tout si j'opterai un coup pour des crocs ou non. J'en avais il y a longtemps mais déjà elles sont pleines de peinture parce que je les avais utilisées quand on faisait de la peinture. Et en plus je crois qu'elle m'a l'air un peu petite. Parce que vous voyez là mes baskets c'est pas top d'aller à la salle alors qu'il y a un peu de terre ici. Mais bon, ça met pas de la terre partout, puis de toute façon je me frotte les pieds sur le tapis en y allant, mais voilà. Aujourd'hui pas de booster, je me sens en forme comme Jaja. Sinon, avant d'aller à la salle, je vais me mettre un petit truc d'eau dans la chambre, j'ai déjà baissé le radiateur. Enfin hier soir j'avais baissé de toute façon. Par contre ce que j'oublie tout le temps de faire, c'est quand j'aère, d'éteindre le radiateur. C'est un truc, je sais pas pourquoi, j'y pense pas, mais ça va rentrer dans la tête, hein, ça va rentrer. Faut juste que je prenne cette habitude. Parce que moi j'avais pas l'habitude parce que avant, chez mes parents en fait on n'avait pas de radiateur, j'avais juste la cheminée. Donc si j'ouvrais ma chambre et que je fermais la porte, bah posez pas de soucis. Est-ce qu'un petit bol comme ça, ça va le faire? On m'avait dit que je pouvais le poser sur le radiateur, mais j'ai extrêmement peur qu'il tombe. Quoique je peux le coincer contre le mur. Je le pose là en attendant, je sais qu'il y a des trucs qui sont pas exprès. Et d'ailleurs j'en ai parlé dans le vlog, je vous avais dit « Oh ouais, ma mamie elle fait ça, elle met de l'eau. » Et vous m'avez tous dit « Oh je connais une méthode bien, c'est mettre de l'eau sur le radiateur. Oh une méthode de grand-mère. » Mais en fait c'est ce que j'avais dit dans le vlog. Vous m'avez tous répété mon astuce que j'avais dit en fait. Mais bon c'est pas grave, je ne vous en veux pas. Mais bon en fait je la connaissais déjà puisque je l'ai dit dans le vlog. Peut-être que je l'ai pas dit clairement et que vous aviez pas compris. Pourquoi il y a un soutien-gorge dans mon sac de sport? Il y a des trucs des fois je comprends pas à tout. Bon, je mets toujours genre un sous-vêtement au cas où, on sait jamais. J'ai mes écouteurs. Bouteille d'eau. Ne surtout pas oublier la bouteille d'eau. Parce que j'ai déjà, je prends pas de sous quand je vais à la salle.
Je dis ça parce qu'en fait il y a un truc pour acheter des bouteilles d'eau. Mais si je prends pas de sous, je pourrais pas en acheter. Puis ça me saoule un peu d'acheter une bouteille d'eau en machine qui coûte je ne sais combien alors que je peux emmener ma bouteille d'eau. J'allais oublier un truc important, c'est mes petits habits de passage de la poste. Les trois petits habits de passage. En fait j'ai... Oui. Je vérifiais quand même que ce soit bien tous à la poste le plus près. Mais s'ils sont pas bêtes, ils ont bien mis ça. Et mes clés de voiture. Parce que c'est toujours important d'avoir ses clés de voiture pour démarrer une voiture. Sinon ça devient un peu problématique. Faut-il encore trouver où est-ce que j'ai pu les mettre au fond de mon sac à tous les coups. Voilà. Je vais les laisser traîner. Ah, mon permis qui traîne, tiens. C'est vrai que quand je vais à la salle, genre je prends pas mon portefeuille. Et du coup, en fait, j'ai même pas mes papiers sur. Bah, j'ai la carte grise qui est dans la voiture, mais j'ai pas mon permis. Ça, c'est pas très très intelligent. Parce que les petits gars, ils m'arrêtent. Et puis moi, j'ai. Montrez-moi votre permis. Je l'ai pas, les gars. Bon, après, j'habite à 2 minutes. Ils peuvent venir le chercher chez moi, non? Je viens de penser que je vais peut-être prendre ma carte d'identité parce que quand on va retirer des colis, il faut nous la demander. Où est mon portefeuille? Il est là. Bon, après, j'avais mon permis. C'est vrai que j'avais mon permis, du coup. Ça peut passer comme pièce d'identité. Souvent, quand je vais en boîte, je prends mon permis. Parce que tout simplement, la carte d'identité, elle est trop grosse. Et pour ranger dans une poche ou quoi, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Bon, cette fois-ci, j'y vais vraiment. En tout cas, elle est cool cette poste. Franchement, à l'intérieur, il y a plein de trucs. Puis la dame, elle était trop cool. J'ai dit, attendez, je vais vous aider et tout. Je lui ai dit que je pouvais tout prendre en un coup, c'était bon. Elle m'a ouvert la porte, tout ça, voilà. Parce que du coup, j'avais des colis jusque-là en portant comme ça. Donc bon, j'ai bien fait de prendre la voiture cette fois-ci. Direction la salle de sport. Et il est 10h41. Hop, j'ai trouvé une jolie petite place au parking gratuit. Donc ça, c'est plutôt cool. Le soleil est en train de se lever. J'ai dû mettre le petit truc mûche là. Bref, pour le pare-soleil, voilà. Bon, là, je suis au parking gratuit qui est quasiment très très souvent à l'ombre. Donc, du coup, ça va. Il n'y a pas trop de soleil. Il va faire un peu frais, mais là-bas, on va le voir le soleil. Donc, c'est parti. Séance biceps-triceps. Mais je trouve que c'est assez rapide. Et en fait, j'ai pas encore assez bien d'exercice et encore bien travaillé.